Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre séjour en France. Mais cette fois, du coup, on part une semaine en vacances en Italie. Donc on a notre vol qui est à 21h45. Ouais. Donc là, on va partir en direction de Lyon puisqu'ils annoncent beaucoup de bouchons. On est en vigilance également orage. Donc voilà, on préfère partir avec un petit peu d'avance. On aura 1h30 de vol à peu près. Ouais. Et ensuite, on arrivera à Florence. Donc voilà, vous allez pouvoir nous voir, nous suivre au fur et à mesure de cette semaine dans nos vacances en Italie. Oui. Donc on va faire quelques jours à Florence, puis on ira aussi quelques jours à Rome. Puis on repartira à Florence pour prendre l'avion, du coup, retour en direction de Lyon dans une semaine. Donc voilà, ouais. On va vous filmer un petit peu nos visites, vous montrer peut-être nos logements. Ça peut vous donner quelques idées aussi, puis voilà, vous montrer notre quotidien et nos vacances en Italie. En tout cas, j'espère que la nourriture sera bonne également. Ouais, ça on espère, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de risques. Ça y est, on a garé la voiture donc dans un parking au niveau de l'aéroport et donc maintenant on va aller normalement directement à la porte d'embarquement. Donc on est assez en avance, on est 3 heures à l'avance je crois, donc pour Lyon c'est quand même vraiment large. Bon bah ça y est, on a passé notre première nuit dans l'Airbnb. Alors Rianne, ça a été Oui, bien, c'est vrai qu'il faisait un petit peu chaud au début quand on est arrivé parce qu'on est en sous-sol, donc on a juste des fenêtres vraiment haut. Mais franchement, sinon top. Nous, on dort dans le salon et mes parents dans la chambre et honnêtement, on a tous bien dormi. Donc non, franchement, ouais. C'est bien. Rapport qualité-prix, honnêtement, on n'a vraiment pas ce plan. Très bien. Pour aujourd'hui, on a préparé un petit plan parce que j'avais déjà fait des recherches sur les choses à visiter. Donc je les ai entourées sur le plan que le taxi nous a donné hier. Parce que oui, du coup, on a pris un taxi pour aller de l'aéroport au Airbnb. Donc ça, c'était plutôt bien. Je pense qu'on a eu pour 20 minutes. Et du coup, l'avantage, c'est de là où on est. On va dire que les endroits les plus loin sont à 4 km. Donc voilà, on va pouvoir faire un peu la ville à pied. Donc là, mon père est allé prendre déjà un petit café dans un bistrot à côté de l'appartement pendant qu'on se préparait. Et du coup, voilà, c'est parti pour une journée de visite. T'es prête, Rianne ? Ouais, on est en forme. Merci. Alors, parfait. Nous avons commencé notre séjour par visiter la basilica Saint-Annunziata, c'était pas très loin du logement et franchement c'était très beau, donc je vous conseille si vous avez l'occasion de rentrer à l'intérieur d'y aller parce que ça vaut vraiment le coup. Puis nous sommes allés voir le Duomo, nous sommes uniquement restés à l'extérieur mais il est possible de visiter, il faut bien sûr réserver les places à l'avance. Nous avons ensuite regardé la cathédrale, par contre qui est possible de visiter gratuitement. Il y a des heures assez précises, mais voilà, on n'a pas eu le temps particulièrement, mais il y a cette possibilité. La culture des cafés est très développée à Florence et dans l'Italie, donc je vous conseille de faire une petite pause rafraîchissante. On avait opté pour un matcha et des cafés glacés ainsi qu'un thé. Nous avons continué notre petit tour à travers de ce petit marché extérieur très sympa et nous sommes allés au marché central. Il y a une quantité de nourriture et chacun peut manger ce qu'il veut. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui vous plaira.
après une petite balade dans les ruelles, nous sommes arrivés au magnifique Palais Vecchio. Après avoir goûté notre première pizza en Italie, nous sommes allés en direction du fort Belvedere. On ne va pas dire que la montée est facile, mais elle en vaut vraiment le coup et ça donne une super vue sur la ville. Alors, délicieux, vraiment. C'est incroyable, il y avait même des petits morceaux de pistache à l'intérieur. J'ai hâte de goûter en tout cas. Bon bah ça y est, deuxième jour du coup vraiment de visite à Florence. Donc là je crois qu'on va au Palazzo Pitti, après à la plage Place Michel-Ange, parce qu'en fait du coup là hier, on a fait une partie de la ville et ensuite, en fait, si on traverse, je sais pas si c'est une fleuve, une rivière ou quoi que ce soit, il y a vraiment l'autre partie de la ville, mais il y a moins de choses à voir de l'autre côté, donc cette fois-ci, on va par là-bas et on poursuit un peu nos visites à Florence, puis on pourra aussi retourner voir les monuments qu'on a beaucoup appréciés hier. En tout cas, c'est vrai que la ville est vraiment très sympa et puis notre petit repas au restaurant hier était vraiment délicieux. Donc vraiment on est aux anges et ensuite demain on part en direction de Rome. Alors Oriane, ce voyage se passe toujours bien? Oui, toujours, là on est au deuxième jour, donc on va finir de voir ce qu'on a pas vu hier, puis on va revenir ce midi pour faire une petite pause. Donc bon, ça va, il fait toujours très bon, on est super contents d'être là, donc tout va bien. Très bien. Ça y est, c'est le départ de Florence, donc on a passé vraiment deux jours entiers, on va dire trois jours à Florence, donc c'était vraiment super, puis maintenant on va prendre le train en direction de Rome pour passer aussi 3-4 jours à Rome, puis on reviendra à Florence prendre l'avion direction Lyon. Donc je vais vous tout de suite recueillir l'avis du coup de mes parents et d'Oriane pour savoir ce qu'ils ont pensé de ce séjour à Florence. Alors Oriane, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ton séjour à Florence? Florence était très sympa, on a eu beau temps et on a pu voir beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'a pas visité l'intérieur des monuments parce que tout est payant et ça vient vite cher et sur deux jours on n'a pas forcément le temps. Et on a aussi très bien mangé parce qu'on a pu tester les pizzas, les pâtes et les tomates mozzarella de Florence. Donc franchement, super séjour. Il faut pas oublier les glaces quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Et les glaces à la pistache, franchement. Croissant pistache également. Enfin, on adore la pistache. On recommande. Ouais, vraiment. Parfait, merci pour ton avis. De rien. Daddy, peux-tu nous donner ton avis sur le séjour à Florence? Ben en fait, c'est 20 km par jour à pied si on veut réellement faire le tour. Donc sympa, sous une chaleur forte mais raisonnable. Mais par contre, beaucoup de monuments à visiter. Puis surtout, une vue à l'extérieur de Florence quand on monte sur les hauteurs qui est magnifique. Et puis une ambiance dans les rues calme, sympa. Beaucoup plus calme qu'en Espagne. Je m'attendais à plus de mouvement, plus de vie. Et non, c'est tranquille. Donc ville sympa, des très très beaux monuments, hein, spectaculaires. Donc on a passé un bon séjour, sympa. Et la gastronomie alors, tu as apprécié? Bien, j'ai pas fait des tentatives trop, je suis resté sur pizza, pâtes. Les pâtes sont vraiment, vraiment très 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 bonnes. Les pizzas aussi, mais les pâtes c'était vraiment très sympa. Et non, on est vraiment bien, puis très bien accueillis dans les restaurants partout, c'est sympa. Merci en tout cas pour ton avis. Et toi Sabi, alors qu'as-tu pensé de ton séjour à Florence? Écoute, j'ai pas grand chose à redire vu tout ce qui vient d'être dit, mais par contre, Florence, ville magnifique, gens super sympas, gastronomie
Super. Et je pense qu'on reviendra parce que vraiment c'est quelque chose. On reviendra visiter les monuments parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps. Mais c'est vraiment super. On reviendra, c'est sûr. Parfait. Merci beaucoup pour ton commentaire.